Vous recevrez une puissance venant du ciel et vous serez mes témoins dans le monde entier. Voici l'origine de la Pentecôte et donc de la descente du Saint-Esprit parmi les hommes. Vous l'avez compris aujourd'hui, il s'agira de parler de la fête de la Pentecôte et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de cette info l'évêque Jean-François Comoy, président des églises, ambassade des vainqueurs. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. À quel moment intervient la Pentecôte dans le calendrier chrétien euh, Avant de parler de la Pentecôte, même chrétienne, il faut dire que déjà les Juifs, oui. donc euh, le peuple d'Israël, mm -hmm. la vie des Juifs était organisée autour de deux calendriers le calendrier religieux mm -hmm. et le calendrier civil. Donc, dans le calendrier religieux, justement, il y avait sept grandes fêtes. Mm -hmm. vous voyez? Les trois premières fêtes étaient euh, tenues, se tenaient, se déroulaient dans le premier des mois. Oui. Ensuite, les trois dernières fêtes, c'était dans le dernier mois. Et justement, entre les deux groupes de fêtes, mm -hmm. il y avait une fête qu'on appelle justement euh, la fête des moissons, mm -hmm. qui justement est la Pentecôte aujourd'hui. Donc c'était la quatrième fête si on oui. peut dire. Et justement, euh, quand Christ arrive mm -hmm. pour le Nouveau Testament, pour la nouvelle alliance, il ne fait que faire quoi Préciser ces mm -hmm. fêtes-là, parce mm -hmm. que les, les fêtes de l'Ancien Testament sont présentées comme l'ombre des choses à venir. Oui. Donc Christ en vérité est la Pâque. Donc la Pâque justement est la première des fêtes. Oui. Et ensuite, il va avoir l'Ascension, mm -hmm. qui est la deuxième des grandes fêtes. C'est quoi l'Ascension exactement L'Ascension. Déjà la Pâque c'est oui. la mort et la résurrection de Christ, donc la victoire sur le péché, mm -hmm. sur la malédiction, oui. détruit la mort. Mm -hmm. Ensuite l'Ascension c'est Christ qui part vers le Père, donc qui a fini sa mission et qui part vers le Père, donc c'est une victoire. Il rejoint justement le Père mm -hmm. et ensuite le Saint-Esprit. Donc quand Christ part, il annonce, mm -hmm. il fait une promesse justement mm -hmm. à tous ses disciples mm -hmm. en leur disant qu'ils recevraient la, la, la promesse de Dieu, donc le Saint-Esprit, la puissance mm -hmm. du Saint-Esprit, afin de pouvoir accomplir leur mission de témoin du Christ. Mm -hmm. Et justement à la Pentecôte, qui est la troisième des grandes fêtes, donc 50 jours oui. après justement la Pâque, mm -hmm. la Pentecôte, on reçoit le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit se fait. Les apôtres et les disciples sont remplis du Saint-Esprit et la mission du témoignage commence. Dans la pentecôte, c'est le Saint-Esprit, mais que représente euh, cette fête pour le chrétien en général Pour le chrétien, oui. cette fête est d'abord la preuve même que mmh. Christ est fils de Dieu, oui. que Christ justement est mort et ressuscité. Mmh. Et que le Père l'a cautionné. Le Père oui. l'a souverainement élevé et l'a établi Seigneur. Mmh. Donc c'est déjà la preuve. Oui. Parce que quelqu'un parle, mmh. il dit qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il prouve Il faut mmh. que le ciel, justement, prouve faut que Dieu prouve. Mmh. Et donc, justement, pour le chrétien, c'est d'abord ce gage, ce saut. Ensuite, pour le chrétien, c'est justement. Euh, la, la, je veux dire, la, la preuve même oui. et la capacité de la nouvelle naissance. Mmh. Parce que justement, quand, Christ, quand le chrétien accepte Jésus-Christ, oui. il accepte, il le confesse, oui. il veut vivre la vie de Christ. Mmh. Mais ce qui est impossible à sa nature humaine, oui. sa nature charnelle, sa mmh. nature de sang. Donc il faut que l'Esprit de Dieu, justement, vienne former en lui cette vie de Christ. Mmh. Et justement, pour le chrétien, c'est cette victoire, justement, ce triomphe mmh. de la chair, cette victoire sur la chair, cette victoire sur le sang que marque justement la réception du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit descend euh, sur les chrétiens, sur le fidèle chrétien, comme Jésus l'avait dit, c'est la manifestation euh, d'une promesse. Et comment il se manifeste véritablement le Saint-Esprit euh, Vous savez, parce re... qu'on précise que c'est le Saint-Esprit. Oui. Donc c'est pas n'importe quel esprit. C'est mm -hmm. -ce donc, donc le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. Mm -hmm. Vous voyez, euh, quand l'homme pêche mm -hmm. au Jardin d'Éden, mm -hmm. il y a certaines certains événements, certains constats que l'on fait. L'homme perd la vie, oui. donc il perd la vie de Dieu, mmh. qui est la vie éternelle, oui. il perd son statut, mmh. il sort du Jardin d'Éden, donc du projet de Dieu. Oui. Justement, quand Christ revient et qu'il accomplit la rédemption, il restaure l'homme, mmh. donc il ramène l'homme dans le plan d'origine. Oui. Donc il redonne à l'homme la vie de Christ, la vie éternelle, mmh. il ramène l'homme dans son statut. Mmh. Il change le statut de l'homme oui. et ensuite il réintroduit l'homme dans le projet de Dieu. Justement, cette vie de Christ est celle que le Saint-Esprit forme chez le chrétien. Mmh. Vous voyez? Donc, qui est la vie éternelle. Oui. Vous savez, en Jean 3, chapitre 16, mmh. il est écrit clairement que Dieu a tant aimé le monde il a donné Jésus-Christ. Mmh. Donc, il donne Jésus-Christ. Jésus-Christ meurt à la Pâque, donc Jésus-Christ prend notre mort sur lui. Oui. Donc il y a eu un échange. Et ensuite, il nous donne sa vie. Mm -hmm. Donc la Pentecôte, justement, est la fête, sinon le moment où cette vie de Christ est communiquée aux chrétiens par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit forme Christ en l'homme. Mm -hmm. Et comment il se manifeste Véritablement. Euh, la première manifestation du Saint-Esprit est à l'intérieur. Oui. Là, on parle par exemple des revêtements. Mm -hmm. Le Saint-Esprit vient d'abord pour revêtir l'intérieur de l'homme. Mm -hmm. Donc, il a, il a la mission de former Christ en l'homme. Oui. Donc, il bâtit Christ en nous. Mm -hmm. Donc, un revêtement intérieur, la pensée de Christ, le cœur de Christ, intérieur, les sentiments de Christ hein, à l'intérieur. À l'intérieur. Puisque l'on est rempli du Saint-Esprit. Oui. Donc, c'est l'intérieur d'abord. Mm -hmm. Si vous n'avez pas l'intérieur de Christ, vous n'êtes pas chrétien. Voyez, il ne suffit pas simplement d'avoir un vêtement ou un treillis pour dire qu'on est militaire. Mm -hmm. Il faut avoir la formation mm -hmm. de militaire. Donc, si vous n'avez pas l'intérieur de Christ, vous n'êtes pas chrétien, oui. quelles que soient les manifestations qu'il y a après. Donc, d'abord, l'intérieur, on est rempli du Saint-Esprit mm -hmm. qui opère le miracle, on pourrait dire, de la nouvelle naissance, sinon l'œuvre de la nouvelle naissance. Oui. Il fait naître Christ en nous il forme Christ en nous mm -hmm. Christ dans sa pensée. Mm -hmm. Christ dans, son, dans ses sentiments, mm -hmm. Christ dans, 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 dans ses relations, dans sa, dans son, dans sa vie de relation. Oui. Et ensuite, il va faire quoi Il va nous revêtir mm -hmm. de la puissance de Christ, donc oui. de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'on voit les manifestations extérieures. Donc c'est d'abord l'intérieur, avant de voir les manifestations Extérieur. extérieures. Et les manifestations extérieures qu'on a l'habitude de voir dans les églises, on voit qu'elles sont différentes. Euh, oui, justement, parce que. Quand le il est y, descendu, y a même des gens qui ne parlent pas euh, certaines langues qui se mettent à, à, à les parler comme ça. Euh, oui, il y a différentes Saint -Esprit. manifestations oui. du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, mm -hmm. euh, il a donné à chacun une manifestation mm -hmm. il dit selon la grâce accordée à chaque personne. Mm -hmm. Donc, ils ont parlé en différentes langues, mm -hmm. mais il n'y a pas que ça. Et mmh. Ils ont été aussi euh, bénis, sinon équipés par différents dons. Oui. Certains ont eu des dons de révélation, mmh. d'autres ont eu des dons de guérison, d'autres ont, ont, ont vu euh, leur statut changer, ils sont devenus ah, des apôtres. Oui, C'est très important de, de le préciser, donc le Saint-Esprit peut donner euh, des dons. Le Saint-Esprit, justement, vient. vient Lui-même, il est un don et oui. il vient pour équiper le un don, chrétien. Un don de guérison, par exemple. Oui, justement, pour équiper le chrétien pour la mission. Oui. Puisque l'acte dit quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc, oui. automatiquement, on va dans une mission. Mm -hmm. On ne peut pas partir en mission sans l'équipement. Si on n'est pas équipé. Oui. Donc, on a l'équipement, on a mm -hmm. Christ en nous, oui. la connaissance de, de, des Écritures, mm -hmm. on est éclairé par le Saint-Esprit et ensuite, il nous équipe pour la mission. Donc, oui. dans l'équipement, selon l'appel spécifique que Dieu nous accorde, soit il nous, donne, il nous accorde certains dons. D'autres mmh. auront, les prophètes auront des dons de révélation, des dons de vision, etc. Mmh. Et d'autres, des évangiles, auront des dons de guérison, oui. juste pour manifester justement Christ. Donc, donner des preuves que Dieu, que Christ est vivant, donner des preuves que, de, que la parole de Christ est vérité. Quand vous annoncez que Christ guérit, il faut bien qu'il guérisse. Oui, il faut bien guérir, oui. Voilà. Quand vous annoncez que Christ est Dieu, il faut bien qu'il prouve qu'il sait tout. Donc, c'est lui qui connaît l'homme. Voilà pourquoi il y a des révélations qui permettent de savoir que voici de quoi tu souffres. Mm -hmm. quand, on, quand on dit que Christ délivre, il faut bien qu'il y ait des délivrances. Donc, et, et, et pour le chrétien, par exemple, qui n'a pas d'appel, est-ce qu'il peut recevoir le Saint-Esprit Oh, tous les chrétiens Ou sont bien appelés. Le Saint-Esprit vient avec un appel forcément. Tous les chrétiens sont appelés. Nul oui. ne vient au Père, s'il si, ne vient à Christ, si le Père ne l'appelle. Oui. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés. Donc c'est une erreur de penser qu'on n'est pas appelé. Mm -hmm. On est tous appelés. Vous ne pouvez pas être un membre dans un corps et ne oui. pas avoir de fonction. Bien Or, sûr. justement quand on est chrétien, on rentre dans le corps de Christ. Et mm -hmm. quand on rentre dans le corps de Christ, on est caractérisé par, on devient un membre et le membre est caractérisé par sa fonction. Oui. Donc tous ceux qui sont chrétiens sont des appelés. Mm -hmm. Mais nous avons différents appels. Oui. Tout, tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Mm -hmm. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Oui. Mais tout le monde est appelé à servir Christ. Si vous n'êtes pas serviteur de Christ, ben vous servez qui alors Bien sûr, c'est une très belle question. Et je suis chrétien, je me rends tous les jours à l'église, tous les dimanches par exemple à l'église, et il y a le Saint-Esprit. Comment faire pour en bénéficier Est-ce que le Saint-Esprit vient comme ça du jour au lendemain et décide de choisir qui il veut Ou on travaille pour obtenir ou pour avoir le sceau du Saint-Esprit vous savez, quand les, les, quand les disciples, c'est une très belle question, oui. quand les disciples, justement, reçoivent Christ, donc acceptent Christ comme leur sauveur, mm -hmm. comme leur Seigneur, oui. donc ils les reçoivent, ils ne reçoivent pas tout de suite le Saint-Esprit. Mm -hmm. Jésus-Christ leur fait la promesse. Oui. Maintenant qu'ils sont d'accord, il leur fait la promesse mm -hmm. qu'ils recevront le Saint-Esprit. Et dix jours, justement, après l'ascension, mm -hmm. ils reçoivent le Saint-Esprit. Et comment ça s'est passé? Ils se sont retrouvés d'abord dans la chambre haute. Donc, oui. il y a eu un cadre pour cela. Oui. Dans la chambre haute, ils se sont mis à prier. Mm -hmm. Ils ont aspiré, justement, à ce, à, à ce don-là. Donc, mm -hmm. si vous n'aspirez si pas à recevoir le Saint-Esprit, vous ne le recevrez pas. Oui. Naturellement. Donc, ils ont aspiré, ils ont demandé. Il faut d'abord aspirer. Il faut aspirer. Il faut demander. Il faut demander. D'accord. Donc, la... si, si vous ne demandez pas, déjà, vous ne vous prédisposez pas à recevoir le Saint-Esprit. Donc, si vous, vous ne demandez pas, si oui. vous ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit, mm -hmm. vous n'obtiendrez pas. la dit ce que celui oui. qui demande reçoit. Donc, Bien il faut sûr. aspirer à cela. D'abord, mm -hmm. il faut savoir. Et ensuite, il faut aspirer. Dans la parole de Dieu, il est dit que certaines personnes avaient accepté Christ, étaient converties, oui. mais n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mm -hmm. Alors les apôtres leur ont demandé, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit Ils ont dit non. Mm -hmm. Mais ils étaient prêts à recevoir. Mm -hmm. Il dit, pendant que les apôtres leur parlaient du Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Oui. Donc il faut d'abord entendre parler, il faut mm -hmm. savoir, mm -hmm. et ensuite il faut aspirer, demander et recevoir. Naturellement, par la prière des hommes de Dieu, par la, par prière, la prière des pasteurs. Par la prière, c'est important de le préciser. Donc, je, je posais justement la question de savoir comment on reçoit le Saint-Esprit. Oh. Vous parlez d'aspiration, vous parlez de prière. Mmh. Il y a aussi des actes qu'il faut poser, par exemple euh, Des actes, je ne sais pas à quoi vous faites référence ou, quand ou on une dit des actes. Par Il faut être juste prédisposé oui. à recevoir le Saint-Esprit. Il a mmh. dit les disciples étaient dans la chambre, ils étaient dans la chambre haute. Mmh. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en hauteur, oui. ils aspiraient aux choses d'en haut. Ils priaient ils étaient accordés mm -hmm. donc ils étaient dans l'alliance mm -hmm. ils priaient donc ils étaient spirituels, ils attendaient quelque chose de spirituel, mm -hmm. un don spirituel. Et ensuite, ils ont reçu le Saint Esprit. Ils étaient prêts okay. pour la mission. Mm -hmm. Donc il euh, n'y a pas d'acte, est-ce qu'il y a une offrande à faire Jésus qui est déjà mort. Voilà, justement. Jésus est déjà mort. C'est lui qui est l'offrande. Il n'y a pas d'offrande à faire. Non, pour non, non. Personne ne peut le acheter Saint le Saint Esprit. C'est pas possible. On peut même pas séduire Dieu pour cela. C'est mm -hmm. notre disposition de, qui nous permet de recevoir le Saint Esprit. Quelle disposition Il faut reconnaître Christ comme son Sauveur, comme son Seigneur. Et justement, le Saint-Esprit est chargé de faire de nous des fils de Dieu, donc des enfants de Dieu. Christ est venu nous donner sa vie, il est venu nous donner sa, sa nature à lui. Christ étant fils de Dieu, il va nous naturaliser, si je pourrais dire comme ça, oui. puisqu'il a parlé de, de son royaume. Mm -hmm. Donc, dès l'instant où vous devenez membre d'un royaume, il faut être naturalisé. Et c'est le Saint-Esprit justement qui accomplit cette naturalisation. Donc, il fait de nous des enfants de Dieu, oui. nous avons la nature de Dieu, nous sommes nés de l'esprit, donc notre esprit comme Christ alors nous pouvons grandir, assurer notre croissance spirituelle, et le Saint-Esprit se chargera justement de, de nous faire grandir spirituellement. Merci, évêque. C'est déjà la première partie, de, de, de la fin de la première partie de cette émission. Euh, sûrement, on va revenir encore pour parler du Saint-Esprit, puisque le chrétien naturalisé, on verra, euh, entre lui et le chrétien non naturalisé, si ils ont vraiment le même statut dans l'Église, il s'agit de celui baptisé du Saint-Esprit et du chrétien qui n'a pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit. C'est juste. Euh, après cette courte pause, on va revenir sur le plateau pour continuer cet entretien. Il s'agit bien sûr de la Pentecôte.